DCPJ qu'on a metté mandat des moun veut reler l'autre monde parce que yon tout monde pas la gang et bien ambassade a dit lui même tout pas la gang tout pour gérer sécurité ambassade là dans objectif pour me dénoncer complot matraquage démarche l'argent qu'a prend pour effacer totalement ak libérer et blanchi un ensemble de criminels assassins qui ont participé de l'assassinat de Jovenel Moïse. Jodi a pendant n'a parlé là gouvernement qui là qui gagne de Steve Voltaire en tête li pas oublier en mettre occasion moi te dit que Jean-Bertrand Aristide c'est un élément un suspect important de l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est une parmi tout assassin. Jean-Bertrand Aristide, première démonstration Aristide pour le faire après Chimè qui était baillé tête li non ancien sénateur qui était avec Dieudouin Mé Préval te vin faire sénateur qui pour le condamner l'assassinat de Jovenel Moïse qui portait nom John Joel Joseph. Pas oublier dernière rencontre avant assassinat John Joel Joseph te fait la caille Jean-Bertrand Aristide avec Jean-Bertrand Aristide. Et c'est là Jean-Bertrand Aristide au courant que définitivement yo pral touye Jovenel, li propose li gen choléra ak malkadi, li fait propre Jovenel Moïse bal yon passeport humanitaire pour la cacher Kiba parce qu'il te pensé après assassinat Jovenel Moïse pral gen représailles et li même li connaît en aucun cas li pa capable victime de représailles que pays a pral connaît parce que tout le monde te gen bon jen information implication nan consigne la stratégie, la manœuvre, l'état bail pour te assassiner Jovenel Moïse. D'ailleurs, chaque fois militant la valation prend la rue, autant de yon seul slogan, chavire chaudière. De fait, yon chavire chaudière qui tap kout manger peuple là, qui tap kout manger population, hein? Chaudière chaviré et Jovenel Moïse assassiné, jodia la valance nan pouvoir. Bon démarche qui a fait, c'est démarche pour yon blanchi tout nèg qui te participé, qui te contribué dans l'assassinat. D'une façon ou d'une autre. La preuve, ils ont commencé graduellement, puis ils ont montré, ils ont venu avec dossier Claude Joseph. Ils ont venu avec dossier Nèg qui était responsable IRGPN dans palais. Ils ont venu avec dossier pour montrer comment la cour d'appel, déjà à travers cour cassation, à travers parquet, ils ont mis note. Yo voye document puis yo moutro yo get Abdou Claude Joseph pa gagné pour dans l'assassinat yo pa joine indice pertinent pourtant dans même démarche instruction que t'as fait gen nèg qui recevoir plus passé $400,000 pour yo blanchi moun dans dossier assassinat Jovenel Moïse gen manœuvre qu'a fait là pour yo focus tête moun sous situation de sécurité pour n'a parler d'insécurité pendant ce temps gouvernement lui-même l'a blanchi, l'ap travail, l'ap cherché qui juge par yo, pour yo capable bay dossier pour blanchi tout criminel qui participe dans l'assassinat Jovenel Moïse. Démarche, Nesli Voltaire à la Colombie, li pa un bagay innocent. Ok? Nèg yo propose, c'est homologue qui écrit, c'est président colombien qui écrit Nesli Voltaire pour la. C'est pas vrai. Tout ça rentre dans le cadre initiative pour blanchi colombien yo. C'est manœuvre qu'a fait pour blanchir tout Colombien, tout nèg à plus haut niveau que tu participé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Yo pas voulu que Colombien vous parle, parce que si Colombien vous parle, Colombien a dit qui est-ce qui te recruté yo, pour qui ça te baille comme mission. Et c'est pour ça matin, hein, nous faisons conférence hein, pour nous dénoncer démarche qu'a fait, mise en place qu'a fait pour yo blanchir nèg qui participé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Yo. Nèg yo fait démarche, yo crasé prison. C'est gouvernement personnellement qui t'engage une cellule dans monsieur vivant ensemble pour te craser pénitentiaire nationale pour mettre une série de nèg de yo. Jodi a pendant m'a parle avec moi, personne pas connait ça badjo devenir. Parce que c'était un collu encombrant pour pouvoir. Jodi a tout nèg qui fait partie gouvernement de Ariel Henry à Kony, Gary Kony. C'est des mounyo yo récompensé pour contribution yo participation yo nan assassinat Jovenel Moïse. P-
pouvoir ça là net, c'est un pouvoir assassin, criminel, notoire. Et ça grave jodi a, c'est lorsque yo fait manœuvre, yo mettez yo dealer de drogue. Yo blanchiment. Nèg ka blanchi l'argent. Nèg ki nan trafic illicite. Nèg ki fait forfaiture contre l'état haïtien. Nèg ki participe nan corruption contre l'état haïtien que jodi a ki président commission créé présidentiel là. Y a détourné l'argent, y a gaspillé l'argent alors que pays a une situation extrêmement difficile. Mais tout l'argent que vous proposé, vous fait manœuvre, c'est de l'argent pour être capable de blanchir, nettoyer, créer conditions pour créer troubles, pour nous parler de troubles, pour nous parler de persécutions, pour nous parler d'insécurité. Pendant ce temps, vous avez profité temps pour régler de l'autre bagaille. Vous avez réglé bagaille. Qui commissaire gouvernement, qui juge dans le coup d'appel pour vous? Comment pour finir avec le dossier Jovenel Moïse, enterrer totalement toute sa Jovenel t'a fait qu'à parler de lui, et puis créer pression, faire en sorte que tout le monde dit que c'est Martin Moïse qui touye Jovenel. A cap fait là. Ça veut dire libérer le criminel yo, et inculper Martin Moïse pour permettre de débat, pour permettre de bruit, et puis kounya là, et puis bandi yo même, criminel yo même, yo nan pouvoir, y a pas osé, y a détruit scène de crime. C'est pas sans raison. Qui fait nous, ouais. Mettre Carlos Ekil en tant que ministre de la justice, te transformer tête li en déchouquet, t'as le déchouquet Kaye Aristide, Jovenel Moïse, à le détourner, à le déplacer, retirer machine, retirer une série de scènes de crime, des documents qui sont capables de permettre que la justice joigne sa relais, des indices pertinents pour permettre un véritable procès. Nous connaissons, tout le monde connaît, même le monde qui n'est pas avocat connaît. Tribunal criminel là, capable de venir un jour, l'a fait procès, lui décide de transformer tribunal là en instance de destruction, lui capable de transporter encore dans l'IA, lui capable de pas satisfaire, lui capable de chercher des éléments probants, des éléments pertinents, des éléments irréfutables, capable, parce que juge destruction pas chercher preuve lui-même, juge destruction a cherché indice, alors que juge là lui-même, il a besoin de preuves. Des preuves palpables, des preuves irréfutables, des preuves pertinentes pour s'il a acquise, s'il a condamné au monde, pour le condamner avec ferme et conviction. Or, ministre justice, ça le fait, il déjà allé dans sous lieu scène de crime, là il disparaît indice, là il retire et efface ensemble de preuves, en façon pour être capable de banaliser totalement l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous-mêmes nous disons, n'a pas fait résistance, n'a pas kembe, n'a pas continué à goumer jusqu'à ce que tout le monde. Parce que nous dit instruction, il y a des gens que le juge là doit attendre. Le juge d'instruction doit attendre. Il n'y a pas attendre. Il y a des gens que le juge d'instruction doit inculper. Il n'y a pas inculper. Il y a des gens que le juge là, en aucun cas, le juge là pas de libérer. Et il y a des gens qui ont des données fiables, pertinentes, qui ont décaissé des fautes d'argent. Yo monnaie nèg dans système judiciaire en façon pour banaliser l'assassinat de Jovenel. Eh bien nous même matin hein, nous t'ai invité la presse pour nous lancer une mise en garde. Non à coup d'appel à commissaire gouvernement coup d'appel là et commissaire gouvernement de Port-au-Prince que ensemble ministre justice hein, que yo engagé nos démarches pour blanchir criminel Jovenel Moïse pour pas un véritable procès. C'est ça nous voulons dénoncer matin hein, et nous mander la presse encore. S'il vous plaît ba nous coupe mais dans démarche ça dans procès ça dans bataille ça faut des monde qui des conviction dans pays a nous pas accepter ça garder nèg tuer Jovenel mais côté au mener pays a yo te dit après l'assassinat de Jovenel Moïse yo pral faire Haïti tourner Paris yo pral faire Haïti tourner la ville de Suisse yo pral faire Haïti tourner et cetera jodi a garder ça qui a passé Solino garder ça qui a passé Ponsonde garder ça qui a passé Léogane garder ça qui a passé Gressier garder ça qui a passé Akaye garder ça qui a passé là dans tabac. Tout son manœuvre, c'est moyen pour pouvoir engager, employer pour ba nous l'autre occupation, on fasse là nous pour comprendre, nous pour tourner dans dossier Jovenel Moïse pour nous capable joindre tout criminel qui t'est inculpé, qui t'est gagné accusation, qui t'est DCPJ te révélé nous à travers rapport, eh bien là nous tourner pour nous ca joindre qui t'en blanchi tout monde ça et puis Jovenel passé même gens avec l'assassinat de Saline. Mais bien nous même nous dit, là tu es tué de Saline dans pas là. Parce que si nous avons fait résistance, je veux dire, assassiner Jovenel, nous avons fait résistance jusqu'à ce que lumière faite dans l'assassinat de Jovenel. Derrière Bénédiction, là, derrière forme dans Ménégo, comment pour libérer Colombien?
l'état d'ailleurs si l'état s'est fait procès après la justice américaine fin condamner 2, 3, 4, 5 moun livre devle condamner yo la justice haïtienne pas jamais qu'il paye personne moun et juge la fait tout ça capable pour pas faire instruction hein? Mais pour le rendre pour faire un rapport partisan pour faire un rapport sorti pour bafrer étant donné la loi dit si m pas d'accord avec ordonnance juge d'instruction hein? La loi mettait le législateur qui a préparé le texte, il mettait à disposition nous, il dit nous, si nous pas satisfaits avec l'ordonnance, nous avons d'autres recours. Mais ça n'est pas fait actuellement, que c'est au niveau cassation, que au niveau la cour d'appel, n'est pas monté une machine à tout prix, une façon pour que la cour d'appel libère, blanchit le véritable criminel, et d'une part, et d'autre part, pas arriver sous le monde que le juge n'a pas arrivé. Alors que gen deux moun que juge d'instruction pas attendé, c'est par rapport avec acquaintance pouvoir politique yo, hein? L'on connaît tant qu'au Ariel Henry. Tout moun constaté lorsque pour Gary Conny prêter serment nan men monsieur conseil créé k'ap fote yo. Tout moun wè comment il prend ampliation publiquement et moi te dit puisque ampliation te Kay Jovenel. Nan vendredi m Kay Jovenel. Président Jovenel mandé Ariel Henry pour l'installer nan lundi. Ariel Henry mandé président pour reporter installation. Président Touken bien ampliation de la Kaili. Voilà que, après assassinat Jovenel Moïse, nous jouons ampliation dans main Ariel Henry. Comment ampliation fait dans main Ariel Henry? Or, Jovenel Moïse pas de guet à balle investi. Jovenel Moïse pas de guet à installer. Comment pour un juge qui a mené enquête, Ariel Henry pas inculpé? Comment pour un juge qui a mené enquête, il pas inculpé Claude Joseph dans l'assassinat de Jovenel Moïse? En tant que chef PN. Comment on juge des succès sérieux, cap mène enquête, li pas inculpé Jean-Bertrand Aristide dans l'assassinat de Jovenel Moïse? Hein? Ça veut dire, n'est-ce choisi des juges vendus, des prétendus juges, pour concocter yon cédo, yon prétend ordonnance, pour banaliser l'assassinat yon président qui tape travail pour yon peuple. Et puis, jodi a, toute machine, si, parce que, faut nous pas oublier, première institution qui participait dans la démarche pour te touiller Jovenel Moïse, qui mandait pour te mener Jovenel Moïse Bayou dans Tibois, c'était la justice. Ça veut dire, ce n'est pas sans raison. En même occasion, nous mandait pour te gagner un tribunal, une instance internationale, un tribunal indépendant international pour statuer sur l'assassinat de Jovenel Moïse, parce que nous ne pouvons pas faire justice haïtienne dans confiance. Ça qui fait ne pas faire justice haïtienne dans confiance, ce n'est pas parce que pas de monde dans le système judiciaire qui ne peut pas amener enquête là, non. Cependant, nous dit en Haïti, politique là mettait la justice en état. En Haïti, la politique souvent mettait la justice en état. Le fait que politique la mettait la justice en état, ça veut dire juge là, même lorsqu'elle t'a gagné volonté, même lorsqu'elle t'a gagné compétence, même lorsqu'elle t'a gagné tout vouloir faire quelque chose, malheureusement, état politique la mettait là, la kembel li pa kabay résultat de maison. Jodi a Nesli Voltaire, en tant que assassin, criminel. Aller Colombie, il parle Colombie dans la question environnement, c'est menti. Là, Colombie dans mission politique pour blanchir Colombien, pour libérer l'ensemble des Colombiens qui participaient dans l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est ça qu'il a réglé. Et c'est pour ça qu'il a. C'est pas sans raison. Vous regardez toutes les démarches Ariel Henry, Gary Conny. Nous, j'entends des gens parler de questions de justice, des questions de coup d'appel, qu'il y a renforcé la justice pour permettre, parce que ça, son dossier crucial, son dossier important pour le pays. Un président en fonction assassiné, c'est pas des bagages nous qui a banalisé de ce fait. Nous avons renforcé la justice pour que lumière fait. Non! Au contraire, n'est-ce pas casser prison? Hein? Comment je dis à Frère Selbe pouvait dans la rue? Il n'est pas en état, il n'est pas en prison. Moun yon annoncé une semaine à l'avance qu'il y a casser pénitentiaire. Yon connaît des prisonniers et très sensibles en de pénitentiaire par rapport à l'assassinat Jovenel. Ce n'est pas blindé de mettre. C'est pendant monsieur au galive retirer blindé pour permettre monsieur casé prison. Yo pa le moun wese au cap casel, c'est pour Ariel Henry, c'est pour Negio Franzel te prend zamni al casser prison. D'ailleurs, on regarde on nèg qui gen prison casser nan men. M'a regarde chef de CPJA. Prison casser nan men. Les prison casser nan mon, te gon responsabilité, c'est un examen pou ta meto. On regarde c'est promotion le prend. Il vinn prendre promotion. Ils ont été directeur à pena, li monté à directeur police centrale judiciaire. Qui enquête qui pral mener? Comment Frère Selbe, en tant que directeur général de la police,
au courant prison pour le caser. Li gen blende, gen tout bagay. Li fait déplacer blende yo. Prison caser tout moun nan la rue. Jodi a Frenzel Beb, pas dans mes CPJ a questionnel. C'est nous complot nous prend. Nèg yo cocoté un complot. Kounya y a occupé esprit nous, yo douri et hélicoptère t'a passé, yo tiré sur hélicoptère et avion onisien t'a qui met l'aime yo touyer hélicoptère, qui met l'aime yo casé hélicoptère, qui met l'aime dans même Nations Unies mouri, qui met l'aime ce sont des assassins. Oui, réuni ambassade kounya y a chercher l'autre occupation ba nous. Oh oui, gang yo chita avec. C'est sa raison. Interview y a fait avec ambassade américain. C'est des bagages y a fait pour occuper esprit nous, pour nous sortir dans bagage qui passe dans pays, pour nous dire oui, a passé vrai ambassade américain t'a supporté gang. Mais qui monde qui pas connaît toute gang qui en Haïti, c'est ambassade américain qui améro. Qui monde qui quand aux États-Unis a un couteau sous lui. Qui monde qui ca monter un bateau à un zam sous lui sans service secret américain pas au courant. Ça veut dire nous prenons un véritable complot et puis y a chercher de l'autre occupation ba nous et puis pendant ce temps, y a vendre, y a liguider, y a forcer des actes. Et puis nous-mêmes, nous focus sur l'insécurité. Tant qu'on me dit moi-même, je finis pour me dire. Ça, c'est pas une insécurité. C'est un projet, son plan de exterminer nous, pardon. C'est une démarche pour exterminer nous comme peuple. Et pas oublier, pays ça, c'est injecté là. Aïe, si on ne comprend pas ça, je vais faire là. Si on te carrière, je vais carrière nous tout. Avec ce jour d'hier même, pour nous tous répondre à mot d'ordre, appel qui lance pour nous gonfler vers nous, pour nous battre contre voyous délinquants officiels qui trouvent aujourd'hui, qui prend espace officiel en otage, qui séquestre la ville d'accueil, qui séquestre la primature, qui séquestre toute instance importante dans le pays pour nous pas goumer. En gros, c'est ça que nous devons dire, partager aujourd'hui avec la presse, démarche qu'a fait pour nous libérer et blanchir tout criminel qui a participé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Histoire des États-Unis d'Amérique avec Haïti, nous connaissons. Tout des moments difficiles qui passent. Nous connaissons. Depuis le commencement. Mais yon nan bagay qui marquait toujours le peuple haïtien, histoire paysan, c'est cette occupation en 1915. Mais de jour en jour, tout pays qui était peut-être gain l'autre influence sur Haïti, influence là la baisser parce que les États-Unis prend contrôle pays ça ou t'a dit presque totalement à telle enseigne tout ça qui a passé dans pays là la difficile pour pas attendre que faut-il bien il y a le mot de l'ambassade américaine qui ça ambassade là penser qui ça ambassade là a décidé. Parce que tout politicien en dans pays a pour yo fonctionner pour yo gain pouvoir yo tout admettre et d'accord que yo pas ka gain pouvoir sans ambassade américaine. Et même chèrement ou tande plusieurs invités que nous recevons là longe droite yo toujours bien longue sous les États-Unis d'Amérique ambassade américaine. Donc a cité Docteur Lage, Docteur Lage, nous avons parler avec vous demain, oui, on va programmer ça, c'est tout disponible. Tiens, quoi, le vinal est toujours clair. Nous avons cité les moines Bono, depuis le vinal, là, il est clair. Et c'est pas des mounes fous, quand même. Guy Philippe et Gosmon Yontou, qu'on cite clair. Bon, le moine Bono toujours la gueule sans filtre, la gueule, il dit des bagailles qu'elle vive pendant la travail dans la nouvelle liste, il bail des exemples. Donc presque tout invité, majorité invité nous toujours là, depuis c'est sous question de l'insécurité, justement. Il y a toujours la gueule sans filtre pour dire ambassade américaine gon rôle, gon responsabilité dans ça qui a passé là en dedans pays. Ambassade américaine d'un pilote qui toujours parlait de lui là dans l'autre émission dans l'autre espace conférence de presse maintenant micro vérité nous toujours tant de monde ça yo la gueule claire pour comprendre situation chaque fois y a analyser ça gain là yo longer doit yo toute longueur sur ambassade américaine mais dernier temps ça on va dire avant hier mon ami voyé bah ça pour moi me dit bon finalement côté noyé les déclarations de l'ambassadeur américain en Haïti
qui lui même clair lui confirmé lui tout ça on te qu'on a dit et ben lui clair ambassade américaine yo même tout yo pas là bandi parce que l'autre groupe l'autre monde yo même tout pour gérer sécurité ambassade là selon ça dit yo habitué par la bandi yo yo habitué par la bandi yo Bah, regardez si. Attendez. Un moment. Bah, là. Ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociations avec les gangs, non. Vous suivez micro-vérité. J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Moi, je n'ai pas dit qu'il y a un gêné. L'ambassadeur a fait une belle réponse là. La gueule sans filtre. L'ambassadeur a fait une belle réponse. Parce qu'il n'a pas attendu une telle réponse de l'ambassadeur américain en Haïti. Il n'a pas attendu à cette réponse. Son réponse qui baille saisissement. On peut sentir Wendell Antijan gêné, l'embarrassé. Parce qu'il va attendre à réponse ça de l'ambassadeur. L'ambassadeur à la gueule. Il dit vérité. Est-ce que l'ambassade entretient vous par suivez micro des vérité avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociations avec les gangs, J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs. Mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Bazen Glery. Ambassadeur Angensen dit vérité ya. Ou gen d'autre, si n'a pas dit sur l'autre angle, eh bien justement, don vérité. Qui peut être l'autre ambassadeur, l'autre avant, qui doit t'ap cacher ou pas de dire, même je dis lui. Parce que lui, c'est honnête, oui. Il dit nous, mais ça va là, yo pas la gang yo tout yo même DCPJ qu'on a metté mandat des moun veut reler l'autre monde parce que yo une tout monde pas la gang et bien ambassade a dit lui même tout pas la gang tout pour gérer sécurité ambassade là on parle des États-Unis d'Amérique Yon nan chef gang ambassade la oblige parler avec lui parce que c'est dans Paris à l'ambassade là que monsieur a retrouvé, c'est vite l'homme.
invite l'homme ça, il y a 2 millions de dollars sous tête lui, oui, que même l'américain mette sous tête, il a cherché monsieur ça. Tcha 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 tcha. Bien. Ambassadeur américain dit nous. Les États-Unis d'Amérique dit nous. Dégagez, sortez dans ça nous là, yo même yo laver mais nous. Yo étire quoi dans ça. Dégagez nous. J'ai tête yo. Vous suivez. Dégagez nous même. Micro vérité. Et dans ça nous retrouver là. Il y a des amis qui disent tel fort Haïti prend un complot. Effectivement, nous prenons un complot. Et son complot bien organisé, bien orchestré, bien planifié. Malheureusement, petit pays ça pas comprendre que jodia oui nous prenons un complot. Faut-il bien nous-mêmes tout. Nous t'entendons nous. On y a des qui meilleure formule que nous sorti dans Zanouye là. Dernier temps ça où nous t'entendons justement. Par contre, on a un sac passé chef bandit, yo même tout. Yo a des paroles, non? Chef bandit, yo a parlé. T'es coupé de Marie. Marie, y a parlé, 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 parlé. Mais dernier temps, t'es dans une déclaration. Par contre, si m'ta ka joindre là, que barbecue lui-même te fait, mon gars doit poser question. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou pas qu'on est? Pas qu'on est? Ou pas qu'on est si c'est vrai ou pas? Contre, est-ce que c'est monsieur Tal l'ambassade même? Moi, c'est pas ça. Machine. L'embral rive groupe la police débarqué fait des barayo grave barayo triste dans mes monter machine l'embral rive groupe backup la police qui camper mais chita dans mi-temps des blancs qui escorte mieux avec sa chita devant joie chita devant chauffeur chauffeur blanc sa chita devant et puis dans mi-temps avec deux autres vous suivez micro vérité et puis regardez qui dit mais oui et puis vous suivez machine, micro vérité il va pas mettre plaque dans machine non et puis je fais seulement ouvert pour dire monsieur et monsieur ouais côté là dit monsieur yo et l'ambassade dans la rentrée mais au coup la porte machine dans ouvert lumière tout lumière il y a tout wow police à fond coup d'œil police à web dans mi-temps. Et puis le chauffeur a fermé la porte et puis l'entrée. On a, mais pendant que je m'a parlé avant, je viens tête faire un coup d'œil. Je m'a regardé le policier qui a fait tête, il a frappé tête. Clé pour frapper. Et puis m'entrer, et puis je viens parler, je viens discuter tout ça, je viens discuter. Parce que je tape toi à la veine, comme je vais faire ça, je choisi par la veine. Et je ne vais pas faire ça encore. Okay. Vous suivez micro vérité. Mais bon, pour mettre ça simple, si c'est pour moi, mettre population. De vous pensez faire transfert en Haïti, pas gain 2, pas gain 3, c'est tap tap sen. Tap tap sen, c'est référence, c'est mettre question ça. Nous même dans Micro Vérité, nous présentons tap tap sen. Eh bien, de vous voulez faire transfert, vous by famille, amis en Haïti, utilisez tap tap sen. Quoi que vous faites, c'est download li, mettez sous téléphone et pour pouvoir assurer que vous respectez pour procédure, tout ensemble des formations que vous avez pour partager. Et toujours utiliser code là qui c'est Micro Vérité. Chaque fois utiliser Micro Vérité, ça veut dire que ou c'est fanatique, nous va supporter émission Micro Vérité à ou dans tap tap sen. Et puis grand pile avantage sous premier transfert là, moun n'a pas reçu transfert là, mais il gon 10 dollars qui tout vinn pour lui sous premier transfert là. Toujours m'a défend nous amis nous ça, ou cap reçu transfert, puis on compte mon cash qui élargi et non seulement sur mon cash, ou gon soje banque également qui rentre dans question qui permet que moun nan ka reçu transfert là en dollars US. Donc ou ka utiliser mon cash, ou ka utiliser soje banque avec Tap Tap Sen, c'est satisfaction totale. Nous même dans Micro Vérité, nous présentons Tap Tap Sen, nous faisons confiance et feedback est déjà très positif. Continuez à utiliser Tap Tap Sen, c'est continuer à supporter Micro Vérité. Ensemble, nous continuons à avancer. Par contre, nous arrivons dans nos cafou côté. On pose cette question que nous y est là finalement. Ou même qui peut-être a
produit de réflexion ou forcé capacité tout là pour garder est-ce qu'on comprend mais ou après noir on s'en ouille là après noir donc jodi a son pays qui sous contrôle total bandi et nous sommes tendel là avec Yvenson qui sont à parler de Solino Solino jodi a sous contrôle bandi Grantier jodi a sous contrôle bandi territoire perdu Gressier contrôle bandi territoire perdu Cabaret contrôle bandi territoire perdu chaque chose passé dans Ponsodé la Tibonite nous pas besoin de parler de ça. Voilà donc le pays. À qui la faute? À qui la faute? Je ne vais pas discriminer l'ambassade. L'ambassade américain qui, si dit nous en vérité, peut-être l'autre avant lui, il doit pas avoir courage ou bien pour des lagons, des bagages comme ça. Mais il me dit. C'est nous qui peut-être mettez sous pension américain qui a fait toute bagaille. Mais justement, on dit nous, c'est nous pour faire payer nous, dégager nous. Si nous avons tout espace ça dans le pays, tout ça qui a décidé, tout ça qui a organisé, décision qui a pris, et bien nous toujours solliciter blanc, nous voir pour ce maniga, et bien justement, blanc dit nous, dégager nous. Mais lui là, il a géré tête, il a géré pays, il a géré intérêt. C'est l'ambassade américaine. Je ne connais pas. Il y a une pigou ambassade. Oui, mais les États-Unis gagnent dans le monde là. En Haïti là. Et en Haïti, vous suivez. Pigou construction. Vérité. Bâtiment. Et pour ça, ils ont fait un investissement. C'est un investissement lié, oui. Mais c'est business. Question de demande passeport. L'argent qui a rentré. Tout ça va regarder. L'argent qui a rentré. Ils ont même fait l'argent. J'ai intérêt pas, yo. C'est vous même retrouvez dans question démocrate qui est-ce qu'a bon républicain c'est toujours même l'obéyo même briganda yo c'est nous pas qu'on décider pour faire payer pas nous marché et nous ba autant d'espace c'est au cap dominer c'est au cap gérer toute bagaille tout ça qui décide sous pays ambassade américaine on toujours tendez non ça cité est-ce que ensemble d'invités que nous toujours gagné là-haut qui qu'on a cité dans l'ambassade là dans ce qui a passé dans pays est-ce que vous avez raison mais qui s'en garde tête non ben vient dans des causes ça yo à qui ça doit conclure hein à qui ça doit arrêter dans ce qui a passé là c'est une question. L'autant de toute déclaration ça yo. Ambassade américaine qui mettait 200 millions de dollars. Alors, 2 millions de dollars sous tête vite l'homme. Mais lui-même, niveau citoyen, l'ambassadeur obligé à négocier à vite l'homme lui-même tout. Pas vite l'homme, c'est donna. Son puissant dans zone là. Mais pourtant, américain a cherché vite l'homme. Ambassadeur a pas la vite l'homme. Cha. La mia jade en mouille. Nous bois nos complots. Yo ban nou kounan do. Nous bois comprendre. Pour ça, c'est l'esca comment nous y ah ben. Et m'attendou la matin avec un pile la peine. Tout. Bon, et ou attendez avec un peu l'attention, ou gon mot ou voulez ajouter là, en aller rapide, comment qui sont ou comprennent, moi m'ba réclame, bon, moi noir totalement, m'ba grand, m'ga dit là. Matin, m'ba grand. Non, mais bon, si ça fait m'dou, m'attendez avec un peu la peine, parce que, pas grand pile moun qui voulait gagner courage pour que yo parle parole Haïti, hein, yo défend Haïti, parce que gon question de visa qui mobilise tout moun net. Madame petit tout le monde qui là yo et même deux monde qui dans presse là tout c'est la caille moun yo donc yo pas ka parler fort et moi même moi dis ça clairement et ça vient faire que m'a
recevoir pas veut dire des menaces mais en pile moun a fait moins si leçon sous base que vous voulez protéger moi parce que me dit bah là très clair et Daniel Foot dit lui matin un autre truc que je fais et il va chercher le bon partager avec vous monsieur dit clairement et après Daniel Foot image fin révélé que Denis Hankins parce que me pas prendre l'ambassadeur encore c'est de, Denis c'est un vagabond c'est un voyou il faut être clair sur ça ah bon l'homme joue un type ou qualifier ambassadeur de vagabond ambassadeur américain accrédité en Haïti c'est un voyou ah bon parce que monsieur reprimandé alors administration américaine a reprimandé Jimmy Cherizier yo fait l'ONU dit monsieur pas cap voyager à quel côté yo dit monsieur son criminel notoire et yo tout monde qui parle avec monsieur yo dit yo mettons sous même liste avec monsieur et jodi a Tony Hankins prouvé clairement ça qui passe en Haïti a nous pas besoin mettre l'autre monde là-dedans c'est l'ambassade américaine c'est les États-Unis qui fait bail là et on était toujours tout ça nous devons chercher connait qui louga ou qui mange ti monde là et image là montre clair seul louga ou qui mange ti monde là seul lou malfaiteur qui mange Haïti là li relé les États-Unis d'Amérique d'ailleurs nous ça qui passé c'est que li recevoir parce que m'a pas dit des fois que monde qui dit image là son image truquée mais faut pas bagager dans tête tout. On va parler de photos. Comment vous t'avez pour te coller des photos et puis pour te connaître que Jimmy Cherizier chita son sofa rouge grenat et puis monsieur était chita son sofa rouge grenat tout. Bon bagage. A dit chaque à mon sofa rouge grenat la caillou et puis on colle l'image là. Bon. Moi même m'a demandé qui est-ce qui pour prendre sanction contre l'ambassade américaine. C'est cette question ça m'a posé. Mais deuxième question m'a posé qui comportement monsieur dame qui dans CPT yo vous suivez micro vérité gagné vis-à-vis action m'attendais la presse parler de ça matin du tout non m'attendais ça bon la donc, presse la presse va parler de ça moi pas de problème bagage ça donc d'abord y a vous là on a pas la presse c'est une action malhonnête qui pose m'attendais la presse parler de ça matin donc pas gagné non ça pas gagné de mal moi pensais que si CPT a pas qu'à dire rien société et population doit dire un bagage. Parce que n'a parlé là de plusieurs milliers de compatriotes qui assassinés en bas main groupe armé. N'a parlé de toutes ces entreprises, toutes ces économies écrasées. N'a parlé d'une situation non sans compter des milliers de familles qui quittaient la caillou jodi même Ivenson ça que tu parlais là, Ivenson c'est dans la rue monsieur et tout. En tout cas. C'est dans le vous suivez mon instrument micro vérité. Pour l'argent pour le caillou en dollars. Donc, c'est fort. Merci. Matin, hein, nous-mêmes, nous ne pas reconnaître que nous avons parlé de Denis Hankins comme ambassadeur américain. C'est un voyou. Et les États-Unis doivent reconnaître sa participation, son implication dans la gangstérisation d'Haïti et dans la destruction d'Haïti. Il faut tout le monde qui est dans la diaspora raconte ça. Et moi-même, je me demande est-ce que c'est Daniel Foot Matin, est-ce que c'est celui même qui, ouais, même genre avec moi, qui m'a dit. Pour le déclarer ambassadeur américain, personne n'a non gata, je dis à même. M'a pas tendu quel monde dit bagay ça. À part de ou même tendu parler la matin, hein, dans l'émission, m'a pas tendu quel média parler de ça. Donc, ça, monsieur, fait son bon bagay li faire. Bon. En tout cas. Faut le dire, c'est que l'ambassade là, c'est ça. Tony Hankins n'est plus ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïti encore. Et bah, vous c'est vous un voyou que les États-Unis voyaient là, et monsieur, une mission pour finir, pour détruire Haïti, c'est ça l'a fait là. Merci pour monsieur Zeliska. A dit mon papa avec monsieur Armé. Et pas ça nous le dit. Nos dynamiques d'État que définit comment pour être capable d'entendre, parler avec vous et jouer une solution, ça sont l'autre paire de manches. Mais où ambassadeur, pays où mettez sanctions, pays où mettez des millions de dollars derrière ces messieurs, je dis c'est où que ce voile dans le salon la caillou contre Haïti et bon, pour penser que Baron Singa certifié qui doit lancer Jodia, c'est contre l'ambassade américaine. Et ma proposition, ma position, c'est que. Merci. Pour résoudre la situation sécuritaire, pour résoudre le problème d'Haïti, c'est pour nous renvoyer toute mission diplomatique temporairement, mettre toute agence onusienne dehors, mettre toute ONG internationale captive en Haïti dehors, sans compter les organisations hémisphériques, donc l'OEA, l'Union européenne et CARICOM, mettez tout dehors
pour au moins nous capable font baler la BKL avec beaucoup Clorox et après ça ça nous ca reprendre la reprendre relation ensemble parce que merci beaucoup, merci. C'est un plaisir. Bon, et ceci dit, ce cap ta place en mot.